Je suis le représentant de la FAO et a bien voulu organiser une réunion au cours de laquelle je suis venu avec les collaborateurs du ministère de l'Agriculture lui rendre une visite, d'abord une visite de courtoisie, qui consistait à prendre réellement contact depuis ma prise de fonction à la tête du ministère de l'Agriculture, mais aussi une réunion de travail. Réunion de travail pour laquelle je voudrais saluer la disponibilité de l'ensemble des experts de la FAO, l'ensemble des experts du ministère de l'Agriculture qui, malgré ce jour férié, se sont mis à la tâche. Et donc nous avons pu décliner un certain nombre de priorités, les priorités qui rentrent dans le cadre de notre action conjointe. La FAO est un grand partenaire du ministère, un partenaire historique du ministère de l'Agriculture. Et il était normal que nous ayons cette séance de travail, malgré le calendrier chargé qui est le nôtre, puisque nous avons une importante actualité cette semaine. Donc je voudrais saluer la disponibilité de la FAO et dire que grâce à cette collaboration que nous souhaitons intensifier, nous souhaitons faire en sorte que les actions du ministère de l'Agriculture soient encore plus concrètes. Et nous avons beaucoup de projets. D'abord, poursuivre sur les initiatives qui sont en cours. Il y a un certain nombre de choses qui sont en cours, l'horticulture périurbaine et urbaine et périurbaine, tous les projets d'accompagnement sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout ce qui aujourd'hui constitue l'accompagnement important de la FAO. Maintenant, nous souhaitons que la FAO nous accompagne dans cette structuration beaucoup plus rapide de notre autosuffisance alimentaire autour de ces denrées qui sont importées de manière trop importante dans notre pays et qui ont un impact déséquilibrant sur l'équilibre macroéconomique du pays, notamment nos devises. Donc nous avons identifié un certain nombre de produits, de production végétale et production animale. Dans la production végétale, notamment, nous avons le riz, la production de plantes fourragères. Vous avez la production animale dans le domaine avicole, donc la production de volailles, et la production porcine, qui sont les domaines dans lesquels nous souhaitons nous focaliser avec nos partenaires. Je pense que c'était une occasion pour la consolidation de la plateforme de collaboration entre les Gabon et les FAO. On a bien échangé sur les priorités par rapport à la production du riz, que c'est vraiment urgent, qu'on commence quelque chose en termes de l'autosuffisance alimentaire et en même temps sur la production de l'élevage, que c'est vraiment important. On a parlé aussi de l'importance de l'irrigation et des autres initiatives pour vraiment apporter quelque chose de différent pour faire accélérer l'agenda de développement du Gabon. Oui, c'est vrai, nous sommes là pour accompagner le Gabon. Nous sommes toujours là pour accompagner le Gabon. Et notre orientation, c'est toujours la politique de développement du Gabon. Et par rapport à ça, on a déjà établi un cadre de programmation pays qui définit clairement les priorités qu'on va adresser. C'est pour ça qu'on dit vraiment nous sommes là pour appuyer et la vision du gouvernement c'est toujours clair et nous sommes toujours là pour les gens. On est toujours ensemble.